Hop, on est bien. Du coup, on va commencer le live quasi tout de suite. Bonsoir à tous, bienvenue sur le Baka Live, le live où on fait du Mass Effect Andromeda. Nous avons pas mal avancé l'aventure et du coup, j'ai fait quelques arrêts histoire de ne pas rusher déjà parce que je suis pas fan du rush, mais en plus parce que nous devons aller chercher l'arche Turienne, l'arche Nathanos. Mais je suis quasiment sûr que l'arche précédente était par là. Hein. Du coup, c'est cool, mais les arches, elles ont toutes fini au même endroit, en fait. Du coup, si je ne trompe pas, il devrait y avoir l'arche galarienne par ici. C'est dommage qu'on puisse pas aller voir. Qu'est-ce que je disais comme connerie, déjà? Ah oui, ce soir, nous continuons nos aventures dans Mass Effect Andromeda. On va commencer par sauver les Turiens, et après, on verra si on tue des trucs ou pas. Turiens, tue des trucs. Nous approchons des coordonnées fournies par Avitus. Blague de streamer, blague à papa aussi. J'ai oublié de pop out le chat comme un connard, mais on a commencé à avoir l'habitude de cela. Après tout, nous sommes un professionnel. On arrive à pop out tout en discutant et en faisant semblant de jouer. Voilà. Du coup, on active le scan. L'arche turienne. Ouh, elle a pris cher. Appel entrant. Pionnière, je crois qu'on est sur la bonne piste. Sans blague. On peut monter à bord sans risque? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Je vous retrouve à l'intérieur. Ah ouais, elle a pris très très cher. Attendez, je veux juste chercher l'interface. Police board. Là, on charge l'overlay. Propriété, ok. Hop. En même temps, on fait Omnilam 5. Le Sandwinder 6, c'est bon. On a le fusil Matroc 6 normalement. Hop. Plus 16% de dégâts de fusil, ça c'est cool. Ça. Bon, on gagne beaucoup, mais après on a moins de chargeurs. Du coup, je voulais juste voir ça, parce qu'on s'en fout. Par contre, ça c'est vachement bien. On va être plus fort. Il faudra qu'on change notre équipement à l'occasion. Ah ouais, on avait dit qu'on changerait de couleur aussi. On verra ça plus tard. Ah merde, pour l'arche turienne, on aurait peut-être pu prendre bah la turienne justement. Presque plus d'énergie. Les systèmes de survie HS. Ah, je veux ton casque. C'est un miracle qu'on ait encore de la pesanteur. Ça doit être pénible à voir. Je ne suis pas du genre à faire du sentiment, Ryder. Quand même. Contentons-nous de retrouver ma scène. H047C. C'était censé être le nouveau foyer des Turiens dans Eleus. Comme l'habite A7. La personne qui pilotait l'arche tenait absolument à arriver ici, quoi qu'il en coûte. Même si ça impliquait d'éjecter des parties entières de l'arche. Ça ne tient pas debout. Venez, les suppositions ne nous mèneront nulle part. Du coup, on a qui en pote? On a de la chance que cette partie de l'arche ait survécu. Ne vous fiez pas aux apparences, pionnière. La coque est en mauvaise état. Merci, Sam. Toujours là pour me réconforter. C'est vachement cool parce que regarde. Ça permettrait d'analyser cela, pionnière. Boum, 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 boum. Hey, cette porte a encore du courant. Je vous déconseille de l'ouvrir, pionnière. Elle donne sur l'espace. Vous pouvez le service joint, mais pas la veine, fait pas le figure.
Le M25, trop long. Celle-ci a encore du jus. C'est dans un sale état. Votre Sam pourrait y accéder, vous croyez? On va essayer. Il n'y a qu'un seul moyen. Après tout, on est là pour ça. Enregistrement de Dea Preyton, le capitaine de l'Arche. L'image est corrompue, mais je peux récupérer le son. Écoutons-le. Le Natonos se désagrège. La salle cryogénique est à moitié fichue. J'essaie d'évacuer tous les passagers conscients. Par les esprits, on n'a plus le temps. Trouvez ma scène. Peut-être qu'elle l'a trouvée et qu'ils ont pu atteindre les modules d'évacuation. Il n'aurait pas quitté l'Arche sans moi. Le Natonos n'est pas arrivé ici tout seul. Il faut qu'on découvre ce qu'il s'est passé ensuite. Les autres données de cette console sont corrompues. Il faudra en trouver une autre. Ou le bloc Sam de l'Arche. Très bien, poursuivons les recherches. Là aussi besoin de courant. On peut peut-être faire la même chose qu'avec l'autre porte, dévier le courant d'ailleurs. La porte devrait maintenant être opérationnelle, pionnière. Avitus, par ici. Celui-ci fonctionne encore. Sam, le mot... Ma scène. Relancez-le. Sam, aide-moi. Les données vidéo sont corrompues, comme pour l'enregistrement précédent. Et le son? Je le répare. Un instant, je vous prie. Il faut qu'on reste objectif. Je n'ai jamais été objectif en ce qui concerne ma scène. Essayez, dans son intérêt. Je lance l'enregistrement sonore. Sam, le module d'avis est loin d'ici. 300 mètres. Une promenade de santé. Bon sang. J'ai parlé un peu vite. Et la suite? C'est tout ce que j'ai pu récupérer. Merde. Il cherchait votre module. Est-ce que vous vous souvenez de quoi que ce soit avant votre réveil sur Abarl? Je vous l'ai déjà dit, je n'ai aucun souvenir de ce qu'il s'est passé avant que je m'extirpe de mon module de stase. Alors continuons à chercher. À mon avis, il était en train de crever et il a passé la main pendant que l'autre dormait. Cette porte mène au bloc Sam. Il faut qu'on l'ouvre. Surprise, c'est verrouillé. Le bloc Sam devrait maintenant être accessible. C'est tellement abusé. Ils auraient pu faire un mini-jeu, un truc, quoi. Sam, où est le pionnier? Où est ma scène? Avis. Commence. Étoile. Avis? C'est comme ça que ma scène vous a appelé, non? C'est la seule personne qui m'appelle comme ça. Mon homologue a subi un grave traumatisme. Si je parviens à compartimenter les dégâts, il devrait pouvoir nous parler. Fais attention. Pas question de perdre ce Sam parce qu'on s'est précipité pour avoir des réponses.
Avitus Rix, bienvenue chez vous. Sam, Massen m'a envoyé les coordonnées de cet endroit. Il faut que je le retrouve. Vous faites erreur. C'est moi qui ai envoyé ces coordonnées. C'est toi qui as envoyé les coordonnées? Comment ça? Le pionnier m'a donné l'ordre d'aider Avitus à trouver un foyer pour les Turiens. J'ai localisé notre destination, H047C, puis j'ai cherché Avitus. Mais pourquoi Massen aurait fait ça? C'était sa dernière volonté. Ce truc déconne encore. Il raconte n'importe quoi. On devrait pouvoir accéder au registre de Massen. On y trouvera peut-être des réponses. Allez! Un morceau du truc qu'on a touché a déchiré ma combinaison. Ça fait mal. Mais bon sang, c'est magnifique. Il faut que tu continues. Pour nous deux. Ne te laisse pas emporter par ton tempérament. Sam, commence le transfert. Oui, pionnier. Même les étoiles brillent plus fort. Il est mort avant la fin du transfert. C'est sans doute l'origine du traumatisme de Sam. Pourquoi m'avoir fait venir ici? Quel intérêt? Pour terminer le transfert. Les Turiens ont besoin d'un pionnier. Je ne peux pas. Avitus, je vous ai vu défendre des colons. Vous avez retrouvé l'Arche Turienne. Vous avez déjà endossé le rôle de pionnier. Il ne vous en manque que le titre. Ce titre revient à Massen. Et il voulait vous le transmettre. Ce n'est pas en refusant que vous le ramènerez. Et si je le décevais? C'est ce qui arrivera si vous fuyez vos responsabilités. Eh merde, vous avez raison. Dois-je commencer le transfert? Ce sera plus sûr à bord du Nexus. Souvi, demandez à Tan d'envoyer une navette pour récupérer le bloc Sam. Dites-lui qu'on a trouvé le pionnier Turien. Donc on laisse l'arche là, on récupère pas les morceaux, rien quoi. Parce que là, dans le tas de merde qui reste, y a pas forcément un truc qui marcherait bien, qui pourrait nous servir. Putain, mais les gars, quoi, pensez un peu, on est dans la merde déjà. Ravi de vous revoir. On va essayer de retourner au Nexus pour voir si on obtient une petite cinématique sympathique. C'est un peu triste parce que les Asari ont eu droit à tout un pan de scénario avec des combats et tout. Et là, on a bouclé le truc Turien en 10 minutes. La main dans le slip, tout ça, quoi.
Ok. Donc les Turiens, on s'en bat les couilles, d'accord. Ah, mais pas de soucis. Faut surtout pas être chiant. Hein. Bon, bah, on va continuer l'histoire, hein, les gars. Ouais, je veux dire, on aurait pu accueillir les Turiens, quoi. Tranquillement. On fait le bilan. Se remémorant chaque instant. Et sinon, je propose que, comme on raccourcit l'histoire petit à petit, les Galariens, ils ont qu'à revenir tout seuls. Comme ça, ils auront galéré tout seuls. Et du coup, ils porteront bien leur nom de Galariens. Voilà, quoi. J'ai envie d'un côté, mais... On peut pas tout mettre tout lui. On va partir à la chasse aux petits cons. Restons discrets, Kalo. Il est encore trop tôt pour se lancer dans la bagarre. Eh hey, bien le bonsoir, mon démo. Bienvenue sur le live. J'espère que tu vas bien en ce joli dimanche soir. De glace. D'accord. Oh oh, de l'eau verte. Ça a l'air bien. Je détecte quelque chose. Je déploie méthane et d'éthane. J'ai repéré un énorme dépôt de minéraux. Dis pas que t'as repéré un énorme dépôt, à chaque fois que je ramasse un truc par terre, il y en a 50. Oui, je me prépare à endurer une semaine de plus en compagnie de jeunes ados déchaînés. Moi, je me prépare à devoir former un collègue de travail sur un poste, un mec que je connais pas encore. Et avec ma sociabilité innée, je sens que je vais passer une bonne semaine. Du coup, quand tu galéreras avec tes ados déchaînés, tu penseras à moi. Tu te diras, Bacarel lui aussi est dans la merde. Sonde larguée. Et ça te rendra le sourire. Allons chasser l'Archon. Et pas l'Archon. Attention, je vais éternuer. 1, 2.
Oh oh, c'est l'arche galarienne ça. Ah non mais c'est pas... Ah, c'est bien une arche. À vrai dire, dans la catégorie... Ah ouais, forcément, mais voilà. Du coup, on va récupérer l'arche galarienne en même temps. Et ça, c'est cool. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas prendre Liam. On va prendre Pibi. On va prendre ma waifu. Du coup, est-ce que tu as trouvé une copine parmi toutes ces ados excités? C'est bien vrai? On a trouvé l'arche galarienne? Sam, montre-nous ça. Apparemment, l'Arconte l'a capturé. Les deux vaisseaux sont liés. C'est quoi le plan? J'y travaille. Sam, connecte-moi à la Moschée. Je l'affiche à l'écran. Ryder, ravi de vous revoir. Faites-moi pas des trucs comme ça. On a localisé le vaisseau de l'Arconte. C'est plus compliqué que prévu. Donc, je voulais être sûr de bien savoir ce qu'on cherche. C'était une relique de grande taille représentant Meridian. Elle se trouve dans ses quartiers privés. Son sanctuaire, comme il l'appelle. Il est très fier de cette relique. C'est tout ce qu'il nous fallait. Je vous remercie. Et moi, je vous remercie de ce que vous faites. Mais prudence. J'ai été témoin de la cruauté de l'Arconte. Je ne vous le souhaite pas. Je suis bien de votre avis. Merci pour votre aide, Moschée. Mais qu'est-ce qui se passe avec cette interface graphique, quoi ? Bon, si on se débrouille bien, non seulement on récupère la relique, mais on sauve les galariens au passage. Voilà le plan. On monte à bord de l'arche, on évalue. Mais pourquoi c'est tout flou là? Ensuite, on s'infiltre sur le vaisseau Kert. Mais fais le point, caméraman. L'approche adéquate. Fais le point. L'arche Marcero est actuellement en veille. Seuls ses systèmes de stase sont. Vas-y, même ma webcam à 10 euros, elle fait mieux que ça. Et les galariens? Je n'ai aucune information. Vous avez entendu la Moschée. L'Arconte est capable de tout. S'il a fait quoi que ce soit à ces galariens, il va découvrir ce que nous, on sait faire. Ryder? Je suis là, en cas de besoin. C'est mon peuple. On les récupérera. Tâchons d'être efficaces. C'est sûr qu'on va faire passer les galériens en premier. Eh ben, c'est un peu dommage qu'il n'y en ait aucune qui t'inspire, mon ami. Je dois bien le dire. Tempête, on y est. Pour le moment, aucune activité inhabituelle en provenance du vaisseau Kert. Mais arrête de gueuler dans le canal. Pionnière, si vous accédez à... J'accède au système interne de l'Arche Parcero. Un instant. Un cryptage supplémentaire a été ajouté aux données. C'est pas faux. Ce n'est pas conforme au règlement. C'est les galariens qui ont fait ça. Il semblerait. C'est une clé cryptographique liée à leur service de renseignement. Je l'ai déverrouillée. L'Arche Parcero est arrivée dans le secteur Eleus. La position actuelle du Nexus est inconnue. Ici le capitaine Ager de l'Arche Parcero. Si vous recevez ce message, des aliens ennemis ont pris possession de notre vaisseau. Merci de chercher Zevin Raika. Situation urgente. Trouvez notre pion. C'était plutôt clair, hein? Il faut qu'on parte à sa recherche. Je pirate la porte de séparation. Dans quel état le vaisseau, Sam? Les cartes ont ajouté des infrastructures, mais les systèmes de l'arche sont opérationnels. Donc elle est prête à voler? Oui. Ryder, vous voulez? Si on veut sauver tout le monde, le plus simple, c'est d'emporter l'arche entière. On doit pas avoir la même définition de simple. Si les bons galariens sont encore à bord, ça pourrait marcher. Aucun corps, aucun signe de lutte. Les galariens se seraient rendus sans combattre? Espérons que leur pionnier puisse nous expliquer tout ça. Ce galarien ne montre aucun signe de vie. Ce colon est décédé.
Le terminal médical permettra peut-être d'en apprendre plus. C'est vrai que quand tu es sur des suites d'études, en général, ça reste à peu près les mêmes gens. À part si tu changes de formation comme moi. Quelle est la cause de la mort ? Une embolie cérébrale pendant la stase. Cependant, les archives de l'initiative mentionnent que Reika est une pionnière. Je déteste. Ce patient est de sexe masculin. Mais alors, je déteste vraiment. Mais qui c'est alors ? Votre scan m'a fourni son empreinte génétique. Avec un séquenceur, je pourrais confirmer son identité. Je déteste vraiment, mais alors vraiment, former les gens. L'ADN du Galarien décédé correspond au colon Jex Harlan. Alors ils les ont bien échangés. Ils ont essayé de cacher leur pionnière. Allons voir le module de stase de ce colon. Il y a peut-être quelqu'un dedans. Je vous ai indiqué l'emplacement de la rangée. Les Galariens changeront jamais. La poudre aux yeux, c'est leur truc. Il manque un tas de modules. J'aimerais croire qu'ils sont partis avant l'arrivée des Kert. Ça m'étonnerait. Le capitaine Galarien avait l'air trop inquiet. Ce n'est pas le module de Jex Harlan. Ce n'est pas le module que nous cherchons. C'est le module du Galarien décédé. Mais je détecte une Galarienne à l'intérieur. Je crois qu'on a trouvé leur pionnière. Sortons-la de là. Vous devez accéder aux commandes de stase pour la réveiller. Doucement. Prenez votre temps. Ça va, je me sens bien. Les Galariens récupèrent tout de suite en sortant de stase. Qui êtes-vous ? Sarah Ryder, la pionnière de l'Arche humaine. Où est Alec ? Il nous a quittés. Oh, c'est de la folie. Cette stase, c'était une erreur. Je n'aurais jamais dû accepter. Qu'est-ce qui vous inquiète ? Une meneuse s'amène. Ça ne fait pas la sieste. Une espèce hostile nous a attaqués. Une vraie armada. Notre capitaine a déposé les armes. Il disait qu'il y aurait d'autres batailles à mener. Il m'a convaincu de me cacher parmi la population et de désactiver mon SAM pour empêcher l'ennemi de nous mettre la main dessus. Mais je vois qu'on est toujours à leur merci. En fait, moi, ce que j'ai un problème, c'est qu'on me demande tout le temps de le faire et on le demande à personne d'autre, en fait. Réveiller l'équipage et par contre, l'arche au départ. Quand tu veux une promotion, on te dit d'aller te faire foutre. Ensuite de libérer l'arche pour que vous puissiez vous concentrer. Du coup, en fait, former les gens, ça me dérange pas. Ce qui me fait chier, c'est que je n'ai aucune récompense au final. Faites ce que vous pouvez. Mais surtout, n'éveillez pas les soupçons de l'ennemi. Oui, oui, bien sûr. Je vous branche sur nos transmissions. On reste en contact. Bonjour, pionnière Reika. Ah, Sam, tu m'avais manqué. Ravi d'être de retour. On sera prêt, Ryder. Tempête, on est au niveau de l'amarrage. On passe dans le vaisseau Kert. Ah oui, ah, dites-moi qu'il y a une course sur le... Il ne semble pas avoir remarqué votre présence jusqu'ici. Bonne chance, pionnière. Non, je voulais courir dans le conduit. Mais laissez-moi jouer sur le conduit, même. Bon, on fait ça vite et en silence, et ils se rendront compte de rien. Je crois qu'ils s'en sont rendus compte. Oh. On est tombé en plein dedans. La Oumfa ? Pas question qu'ils prennent le dessus ! En voilà d'autres en haut ! Sacré comité d'accueil !
Accès au système du vaisseau. J'ai localisé les quartiers privés de l'Arconte. L'Arconte est dans ces quartiers ? Cette information ne m'est pas accessible. Seulement l'emplacement de la pièce. Où en est leur niveau d'alerte ? Une alerte a été lancée, mais je l'ai annulée. Ce ne sera que temporaire. Bien, alors on se dépêche. La Moshae a dit que la relique se trouverait dans ces quartiers. Allons-y. Ryder, je vous croyais sur l'Arche. Il nous manque trop de monde. C'est notre seule chance de les retrouver. Voici Hyder, le capitaine de notre Arche. On va se concentrer sur le sauvetage pendant que vous continuez, Ryder. Un itinéraire secondaire est disponible. Je marque les coordonnées. On va vous aider à trouver le chemin. Ryder, si vous accédez au terminal, je pourrais contrôler la porte. Et moi, je n'ai fait que piloter des vaisseaux toute ma vie. On va passer par ici pour chercher les nôtres. Désolé de ne pas pouvoir... Et à plus tard, mon démo. Des gros bisous. Bonne chance, pionnière. À vous aussi, pionnière. Bon, Sam, la relique, t'as toujours une piste ? Je vous indique l'itinéraire jusqu'au quartier de l'Arconte. Vous pouvez avancer. Avancer, hein ? À trois contre un vaisseau plein de cartes ? Quatre. Je compte double. J'adore Drac, quoi. Une sorte d'armurerie. Ouais, pour tirer sur les gens qui essaient de s'introduire dans leur vaisseau. Je veux pas être méchant, mais toutes les armes ont été prises. Ouais, je sais. En fait, on ne peut plus stream en dos, en dessous de source actuellement. La sortie est à l'autre bout de la pièce. Et il y a plein de pierres qui nous en séparent. Un transporteur, ça va pas aller en s'arrangeant. Un transporteur? Mais c'est de la triche. Ils ont fait venir des renforts. Il y a des guerres de tous les côtés. Et nous, on l'a quand notre transporteur? Je vous signale que normalement, c'est nous la cavalerie. Ah mais Twitch, je déconne totalement. C'est tout. Sam, vous êtes toujours dans la direction des quartiers de l'Arconte. Vas-y, mais moi une petite dizaine en plus, quoi. Vic est à la hauteur de ce que la Moshae nous a raconté. Ah, il faut que je regarde les options. Ça se trouve, j'ai coché un truc que j'aurais pas dû. Ça se trouve, des mots. Bah tant mieux, du coup on va tirer comme des bourrins. Rosa Baro.
Shogun, il y a un ouvrier là. Dites, ce qu'il regardait, c'est un module de stase galactique. Larian. Il est vide. Vide également. C'était aussi un membre éminent du commandement de l'Arche par Séro. Le commandement, hein. Les cartes semblent les avoir visées en priorité. Peut-être pour semer la confusion. Il manque encore pas mal de modules. Ils sont où, les autres Galariens? Attends, on va bientôt rencontrer un nouveau type de Kerr. Et voilà. Visez un peu ça. On dirait bien des armes. Confirmé. Il s'agit de l'armement offensif d'un vaisseau de guerre très performant. Et elles sont toutes pointées sur l'Arche Galarienne. Ça va poser problème. Votre itinéraire se poursuit à l'autre bout de la pièce. Ah non, je crois pas. Sam, tu peux désactiver ces armes d'ici? Négatif. Seul l'Arconte peut valider cette opération. Peut-être qu'en demandant gentiment. Un seul tir de ces armes et tout part en fumée. La relique, cette mission et un bon paquet de Galariens. Ou ils sont très forts à cache-cache, ou lui il a popé du cul, quoi, je veux dire. Alors que moi j'allais dire, la pièce est grande, donc n'hésitez pas à vous balader. Négatif, les gars. Pour être tout à fait franc, c'était même moins le bordel avant qu'ils arrivent. Hein. Je pense qu'on va pas tarder à apprendre que les anciens, c'est en fait des Galariens.
était juste. Sans l'aide de Raika et de son équipe. Bah on y serait arrivé, même mieux. Je crois qu'on leur doit une fière chandelle. Mais arrêtez de dire de la merde. Maintenant, la sortie, c'est par où? J'ai trouvé un nouvel itinéraire vers les quartiers de l'Argent. Tout le vaisseau doit être à notre recherche. J'ai rien contre les scripts en scénarium, mais dites pas de la merde, quoi, j'étais pas dans la merde. Par ici. Raika, qu'est-ce qui se passe? Les blessures de Seldin lui ont été fatales. Je suis désolée, il était courageux. Je n'arrive pas à accéder à ce terminal, ça ne marche pas. Ryder, est-ce que Sam peut nous ouvrir cette porte? Un instant. Je contrôle la sécurité. Raika, on a un gros problème. Vous avez vu ces armes là-bas? Oui, elles détruiront l'arche avant qu'on ait pu lancer les réacteurs. À moins que... Si vous avez une idée, je brûle de l'entendre. Voilà Venro. Elle réparait les propulseurs SLM sur des croiseurs privés. Venro, un appareil à IEM? Ça pourrait marcher. Si on le déclenche près de ces armes, leur alimentation sera coupée. Et l'arche sera hors de danger. Et les Galariens disparus? Je vais poursuivre les recherches. Le capitaine Ager et Venro vont se concentrer sur l'IEM. Soyez tous prudents. Bonne chance. La porte est ouverte. On reste en contact radio. En attendant, nous, on a une relique à trouver. Sam? Je vous indique l'itinéraire jusqu'au quartier de l'Arconte. Pourquoi on continue à parler à voix basse? On se balade discrètement dans le vestiaire. Saut de l'ennemi. Un ennemi qui sait déjà qu'on est là. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Je me demande, si on foire et qu'on fait pas sortir l'arche d'ici, combien il va rester de Galariens? Je veux dire, dans toute la galaxie. Si. Pas assez. L'espèce entière est en danger. Ils auront leur propre version du génophage. Il dit ça, mais en fait, je pense que ça ferait plus chier qu'autre chose. Bon sang, il recommence. Sam? Il y a un autre itinéraire possible. J'accède aux commandes de la porte. Ouais, mais c'est un piège, on le sait déjà. Enfin, je veux dire, bon. Je veux bien, vous êtes un peu con. Voilà. Les cartes renforcent leur sécurité. Essayez de scanner le panneau d'accès. C'est une porte à commande vocale. Je peux essayer de moduler vos cordes vocales pour que votre intonation ressemble à celle d'un kert. D'accord. Le système demande votre autorisation. Comment voulez-vous répondre? Kossad Noura, Thorak. Choura. Sérieux? Accès refusé. Les intrus ont été repérés sur le vaisseau. Nous devons sécuriser cette zone. Accès accordé. C'est éclos, si vous voulez mon avis. Bon, voilà un des sentiers battus. On dirait un labo. J'ose pas imaginer ce qu'ils fabriquent là-dedans. Des scientifiques. Des chattes. Rien de bon dans toutes les parties d'endroit. Quand on a quelque chose à cacher. Merde!
tomber. Il faut qu'on arrive à forcer le passage. On les a eus. Ce serait quand même plus simple si les cartes nous remettaient gentiment la relique. Ouais. Et qui va leur demander ? Organes à ce galarien. Il semble être mort après l'opération. Ces pauvres gars étaient en vie. Hé, hey, toi ! Je te vois ! Je te réserve un tir en pleine tronche pour ce que t'as fait ! Ardir ! Quelqu'un va le payer très cher. On va leur montrer ! Ryder, attention. Ah, une sorte de champ de force paralysant. Inutile de lutter. Je vis dans ce secteur désolé depuis plusieurs décennies, entouré d'amib. Et soudain, vous voilà. Une humaine capable d'accomplir l'impensable. Même de m'échapper. Vous êtes une rivale peu commune. C'en était presque stimulant. Et pourtant, cette fin était déjà écrite. Qu'est-ce que vous comptez faire de moi ? Ce qu'il me plaira. Hé ! Bats les pattes ! Oh. Un premier prélèvement. Place au test. Je connaîtrai votre secret tôt ou tard. Mon rapport. Attendez que j'arrive. Gardez vos forces, humaines. Raika a dû rencontrer des problèmes. Pas pire que nous. Sam, qu'est-ce que tu peux me dire ? Je détecte un transmetteur biologique dans votre système sanguin. J'essaie de le neutraliser immédiatement.
Ok, ça, ce sera l'étape numéro 2. D'abord, tu saurais nous tirer de là. Les champs de restriction n'agissent que sur les êtres vivants. Si vous mourrez, le champ se dissipera jusqu'à réinitialisation manuelle. Comme vous le savez, mon accès à votre physiologie me permet de renforcer vos fonctions vitales si nécessaire. Je peux également faire le contraire. Donc, si tu coupes mes fonctions vitales, si tu me tues, le champ disparaîtra. Celui qui vous retient, oui. Puis je tenterai de vous réanimer. Y a pas d'autre solution ? Je n'en vois pas d'autre, non. Go ? Ça a l'air drôle ? D'accord, vas-y. Ryder, bonne chance. Je vous attends de pied ferme. Arrêt du cœur. Maintenant.